Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de face cam, voilà, je ne fais plus vraiment de face cam dans cet appartement. Avant de commencer cette vidéo qui va parler donc de la photographie, je voulais juste vous faire une petite annonce. Je vais bientôt déménager dans un plus grand appartement pour un petit temps avant de préparer un gros projet. Vous allez avoir une vidéo dans ce nouvel appartement où je vais un peu vous parler de ce qui va se passer pour moi bientôt à l'avenir. Et voilà, et l'année prochaine il va y avoir quelque chose de nouveau, enfin bref, je vais aborder ça dans une prochaine vidéo parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur les coulisses de mes shootings. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu, hein, un peu comment ça se passe, comment je réalise mes photos, que ce soit des shootings de portraits ou des shootings de paysages, c'est un peu la même chose. Alors pour des raisons un petit peu techniques, on va dire, c'est pas vraiment technique, mais pour des raisons plus personnelles ou je sais pas comment expliquer, mais en gros malheureusement je ne peux pas vous filmer les coulisses d'un shooting de portrait aujourd'hui, parce qu'en fait c'est aujourd'hui que j'ai prévu de faire ce tournage alors que je dois bosser mes cours, c'est super, mais bon, comme je n'ai vraiment plus le temps en semaine, je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Donc oui, il y a un petit souci, c'est que je ne peux pas en fait aujourd'hui vous filmer des coulisses de portrait, tout simplement parce que j'ai personne pour prendre pour faire un shooting, et voilà, les seules personnes qui étaient disponibles, enfin j'avais une personne qui était disponible, une personne très sympa, adorable, mais malheureusement je me suis un peu levé tard, je me suis pas levé tôt, j'ai pas bougé mon cul, et elle ne pouvait pas cet après-midi finalement, donc du coup ça ne se fera pas avec une personne. Donc voilà, là je vais vous montrer surtout un shooting de paysage, mais je vous mettrai également des extraits que vous avez vu dans la bande-annonce de personnes, de comment je filme, enfin comment je m'y prends aussi pour les photos de portraits, etc. Notamment la photo que j'ai fait à Vichy ou les photos que j'ai fait à Montpellier. D'ailleurs, c'est mon premier shooting à cet appareil. Mais avant de vous montrer quelques plans et de vous montrer un petit peu comment je shoot, je vais d'abord vous parler un petit peu, enfin vous faire un peu 10 minutes de vidéo sur le matériel que j'utilise. Donc voilà, pour faire mes shootings. Mais avant, je vais aussi vous parler sur le pourquoi du comment je fais de la photographie, pourquoi ça a débarqué comme ça dans ma vie, et voilà, quels sont mes petits projets, sachant que en fait le projet que je suis en train de mettre en place l'année prochaine, c'est pour de la photographie. Donc du coup ça m'embête de vous parler de ça, et à la fois je veux pas vous spoiler pour l'instant parce que j'ai pas envie de vous parler de ça maintenant. Donc bref, je vais voir, je vais réfléchir comment je vais vous parler de ça, mais avant tout je vais vous parler un petit peu de pourquoi je fais de la photo, ensuite matériel, et après je vous emmène avec moi en shooting. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Welcome in this video. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai fait de la photo? Alors en fait la photo, ça fait un moment que je fais ça, ça fait un moment que je me suis découvert une passion pour la photographie. Je suis pas du genre à suivre des grands photographes sur les réseaux sociaux, des grands où je suis pas très cultivé dans ce milieu-là, ni dans ce domaine-là. En fait au départ j'étais pas passionné, mais avec YouTube j'ai découvert que j'aimais bien. En fait, le milieu de l'audiovisuel, voilà, je pense que c'est un peu comme ça pour tous les gens qui se sont un peu lancés sur YouTube. On découvre une vraie passion pour l'audiovisuel, pour le montage. Enfin, même si c'est un peu chiant parfois le montage avec les problèmes techniques, avec le fait que ce soit long, etc. À côté, on découvre toujours une petite passion pour l'audiovisuel, pour la caméra, la façon de filmer, les plans, etc. C'est un truc que j'ai toujours aimé. Et à côté, j'ai toujours aimé prendre des photos. Je pense que vous l'avez remarqué si vous me suivez sur mon Instagram perso. Donc j'ai deux Instagram maintenant, mais le perso, donc le Pedro MAQS, c'est un Insta où je mets, en fait je le fais un peu fonctionner sous forme de blog. Ça veut dire que quand je vais en voyage ou en déplacement, je fais un énorme feed en fait qui a rapport avec la ville ou l'endroit que j'ai visité, et ou alors l'événement que j'ai fait, ou peu importe. Et du coup ça fait un énorme compte. Donc ça veut dire qu'en gros sur mon compte Insta à l'heure actuelle, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc en fait ça se présente
comme ceci. Bon, là maintenant, j'ai un peu modifié ma façon de poster parce que vu que j'ai le compte Pedro et MyQS Pictures, mon compte pro, je vous le montrerai après. Mais vous voyez, genre par exemple là, ici, là, on a le feed de quand j'étais à Megève, par exemple. Donc ça commence à partir de cette photo, par exemple, donc sur l'autoroute. Et ensuite, on a voilà tout un feed qui parle de ça, donc avec des photos qui sont prises de mon appareil, on en reparlera après, et des photos qui sont prises à l'iPhone, puisque voilà, mais ça je vous en parlerai après pour le matériel. Et voilà, et ça fait un moment que j'ai fait ça, donc voilà, si je précède un petit peu si ça charge bien. Bon, quand je commençais les vidéos sur YouTube, mais même avant, j'ai toujours aimé photographier, faire des photos, enfin pas depuis l'enfance, mais depuis vraiment, c'est à l'adolescence que j'ai découvert ça. Mes débuts YouTube, si vous suivez mon Instagram depuis très longtemps, mes photos ont été prises à l'iPhone 5C, à l'iPhone 6 et à l'iPhone 7. Je n'ai jamais pris de photos avec un autre iPhone. À la suite, du coup, j'ai donc investi dans ce matériel. Et donc aujourd'hui, bah du coup, je me suis un peu... forcément, au départ, je faisais mes photos... Donc au départ, pour le matériel, je faisais mes photos donc à l'iPhone. Mais surtout, je les retouchais en fait avec les réglages qu'on avait sur Insta. Et c'était très joli au départ, hein, mais c'est devenu de plus en plus catastrophique. Enfin, genre vraiment, il y a des photos dont je commençais à devenir de moins en moins fier de mes photos que je faisais en voyage, etc. Je commençais un peu à en avoir marre. Et donc, investir dans un appareil photo, ça veut dire aussi investir dans des bons logiciels et des bons matos. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis au niveau photo, pour l'instant, je suis plus ou moins à jour. Alors bien sûr, avec le temps, le matériel que j'utilise en photo, ça va un peu s'actualiser, va un peu augmenter, mais je peux déjà vous parler à peu près du matériel que j'utilise en photo. Donc du coup, je vais vous en parler ici. Pensez donc pour les photos, donc du coup, comme je vous l'ai dit, alors je réalise mes photos donc soit avec l'iPhone 7. Alors pour les modes que j'utilise sur l'iPhone, moi je fais tout bête, hein, j'utilise le mode normal. Alors comme je m'en sers pour filmer, je n'ai pas pu vous parler de l'appareil photo en face cam. Mais du coup, j'utilise pour l'appareil photo, voilà, c'est mon appareil photo principal, le Canon EOS 800D comme vous le savez. Donc voilà, je m'en sers principalement pour faire les photos pour Pedro et MyQS Pictures. Et je m'en sers également pour faire d'autres photos pour des amis, etc., etc. Et pour filmer mes vidéos. Donc voilà, c'est un super appareil que j'ai investi il n'y a pas longtemps. Alors pour être très honnête, il coûte 800€, donc il coûte un peu cher, oui. Mais c'est un investissement sur longtemps et c'est un bon matériel. Voilà, tout simplement. Donc l'objectif, c'est un 18-135mm, voilà, et il fait vraiment des photos magnifiques, il est à 22 millions de pixels, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un super appareil. Enfin franchement, j'adhère totalement Canon pour l'instant, et je pense que pour d'autres appareils, si je devrais passer à un appareil plus de meilleure qualité ou plus professionnel d'ici quelques années, je pense que je resterai chez Canon. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors pour les logiciels, j'utilise la version donc payante de Lightroom sur ordi. Alors sur ordi, vous ne pouvez avoir que la version payante, la version gratuite expire au bout d'un certain temps, et voilà. Après, vous pouvez avoir une version gratuite sur le téléphone qui fait autant le travail, mais elle est moins complète. Et j'utilise aussi Photoshop pour quelques retouches, donc voilà, mais je n'affine pas le corps pour les portraits par exemple, ce genre de choses, mais c'est surtout la lumière que je retouche de manière générale. Donc voilà, et j'ai également Adobe Premiere Pro pour des montages, voilà, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais... et voilà. Bon, alors maintenant que je vous ai parlé du matériel, que la vidéo face cam est faite, je suis passé en mode G7X, en mode vlog, vous-même vous connaissez. Et maintenant, du coup, bah, je vais préparer mon matériel et je vais partir. Donc du coup, je vais aller photographier, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit en story, hein, ça oui. Je vais aller photographier le quartier des Gobelins. Voilà, j'y suis jamais allé. Enfin, si, j'y suis déjà allé, mais j'ai jamais photographié ce quartier. Et il est hyper sympa comme quartier. Donc c'est la place Monge. C'est un peu le vieux Paris un peu, mais le derrière le Paris, donc tout ce qui est côté Panthéon, etc. Donc voilà, pour y aller, je vais prendre un City Scoot, ce n'est pas sponsorisé, voilà, je le rappelle. Je vais prendre un City Scoot, c'est un moyen génial de prendre des scooters libre service à Paris, en fait, sur une appli, il faut juste être majeur pour le faire et tout, et avoir le permis AM ou le permis B, etc. Je vais vous montrer un petit peu, mais je pense que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Voilà, et du coup, bah c'est parti pour aller en séance de shooting. Voilà, shooting portrait. Let's go.
J'ai fait une bonne balade, voilà, du coup je vous laisse avec ces images. Je suis maintenant dans Paris, j'ai fait tout le quartier des Gobelins. Voilà, je fais l'intro de ce passage de la vidéo après avoir tout fait, mais bon, comme ça c'était plus simple. Et voilà, du coup je vous laisse avec la suite. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se quitte avec le Panthéon, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos en rapport avec la photographie, évidemment il y en aura. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. This time it's over, can't you see? You gotta convince me I'm